Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une marque m'a fait parvenir cet ensemble d'embouts de précision. Donc comme vous le voyez, il y a 156 embouts que je trouve vraiment intéressants pour un prix vraiment acceptable, je trouve. Tous les liens sont en description ou dans l'espace commentaire. Actuellement, il y a d'ailleurs une réduction de plus ou moins 10%, me semble-t-il. Donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, au niveau des embouts, je vous montre un petit peu, mais je vous mettrai plus un avis détaillé donc dans la description, donc au bas de la vidéo, pour que vous puissiez vraiment voir dans les détails tous les types d'embouts qui se trouvent. Alors, c'est des embouts pour du petit bricolage, pour démonter des appareils. Je pense notamment à un radiateur électrique que j'avais voulu réparer précédemment de la marque Onewheel. Et d'ailleurs, pour ce radiateur électrique, il fallait un embout Torx troué. Donc, vous voyez que il est disponible dans ce petit package. Donc voilà, ce genre d'embout dans le commerce, malheureusement, vous ne les trouvez pas. Donc il faut parfois dépenser 4-5 euros pour le trouver. Ça, c'est un exemple, mais il y a un tas d'autres embouts bien intéressants que vous ne trouvez pas facilement dans le commerce. D'ailleurs, il y en a tout simplement que j'avais jamais vu. Ce genre d'embout, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Vous avez des embouts, bien sûr, cruciformes, hein, classiquement, des embouts Torx, comme je le disais. Vous avez aussi des embouts femelles 6 pans, comme ceci. Toujours sympa à voir. Et vous avez tout ce qui est Torx T1 jusqu'au T5. Donc c'est vraiment pour des petits travaux de minutie, de démontage de smartphone, pourquoi pas. Hein, c'est vraiment à ça qu'est prédisposé cet ensemble. On a ici, j'avais jamais vu non plus, plutôt une disposition en croix. On a tout ce qui est cruciforme, comme je l'avais dit. On a du cipan, assez fin et assez gros aussi. Et voyons ce qu'on a de ce côté-là. On a aussi du cruciforme, du plat, etc. On a du carré, du triangle. Comme vous voyez, on a vraiment de tout. Et petit détail, on a un embout ici que j'avais absolument jamais vu non plus. Ça permet de démonter les valves des chambres à air des pneus de vélo, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est un embout qui pourrait être intéressant peut-être. Sait-on jamais. Alors, je trouve qu'aussi, c'est très bien, on ne sait pas enlever ici les ensembles. Parce qu'en général, moi, quand j'en ai besoin d'un embout, je prends toute la palette bleue. Je m'en vais avec, je ne l'arrange pas et du coup je perds le truc. Donc ici au moins on est obligé de se déplacer avec la sacoche complètement, ce qui est pas plus mal. Donc comme c'est vraiment aussi à usage pour du démontage de smartphones ou d'autres appareils, vous avez toutes ces petits leviers en plastique bien solides pour déboîter les choses. Pareil ici à ce niveau-là. On a forcément ici le tournevis universel sur lequel on va pouvoir venir mettre tous les embouts, à savoir que chaque embout est magnétique. Donc ça c'est top, hein, les vis elles vont tenir dessus sans aucun souci. Et moi ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont ces deux choses-ci. Donc ici, peut-être que vous connaissez déjà ici un tournevis qui tourne à ce niveau-là pour vraiment pouvoir faire du travail, d'avoir bien le tournevis en main pour pouvoir travailler. On a ici un mandrin qu'on peut serrer pour maintenir l'embout. Donc ici, je vais prendre celui-ci, je le mets là. On vient serrer et il tient bien dedans. On a une allonge ici qui peut être bien utile. Mais ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a une allonge flexible. Donc on peut l'orienter un petit peu comme on veut. Donc imaginons qu'on ait une vis difficilement accessible. Eh bien, en tournant à ce niveau-là, vous voyez que mon embout ici, il tourne. Voilà, donc c'est vraiment un petit outil sympathique. Je pense même que pour un cadeau, ça peut être sympa, hein, pour un bricoleur. Et dans tous les cas, avec le nombre d'embouts que vous avez là, c'est sûr que si vous vous retrouvez avec une vis bien spécifique ou vraiment petite, je pense que vous allez d'office y trouver votre bonheur. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à aller checker les liens qui sont en description. Donc je remercie la marque qui m'a fait parvenir ce produit que je vais précieusement garder. Et dans tous les cas, bien je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!